Suddenly pieces up back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite application avec une petite copine à moi qui s'appelle donc Manon. Et on va parler aujourd'hui de Vibrant Watch. Vibrant Watch, une application utilitaire qui va nous permettre de faire vibrer notre iPhone au lieu de l'entendre. Cette application a un petit coût. 1,09€. Je l'ai téléchargée. Je voulais vous en faire profiter. Elle est assez sympathique. Je pense qu'elle peut être utile pour certaines personnes qui vont en avoir besoin. J'ai dernièrement été sur Poitiers dans un très grand centre pour des personnes malentendantes et des personnes aveugles atteintes de la maladie de Cher. Ce sont malheureusement des personnes aveugles et sourdes. Et cette application est vraiment très utile pour les personnes atteintes de cette maladie. J'ai voulu donc vous faire profiter. Merci à vous de regarder cette vidéo et pensez aussi bien à vous abonner à la chaîne. On va écouter ma copine, ce qu'elle a à nous dire sur cette application. Cette application vous permet de connaître l'heure à l'aide de vibrations. Elle est développée pour les personnes aveugles qui ont besoin de connaître l'heure actuelle sans utiliser VoiceOver. C'est parfait pour les situations où il n'est pas possible d'utiliser VoiceOver, comme des lieux ou des situations bruyantes lorsque vous devez être dans le silence, comme les réunions, spectacles, etc. Plutôt pas mal parce que c'est vrai que j'ai eu une situation telle que celle-ci, j'ai pu quand même me rendre compte par vibration dans la poche de l'heure qu'il était sans déranger tout le monde avec le vocal. Il est seulement nécessaire de tenir l'iPhone en mode horizontal avec le bouton principal pointant vers la droite. En cliquant sur chacune des zones de l'écran, gauche, centre et droite, vous obtiendrez le nombre correspondant de vibrations. Vous pouvez également le configurer pour tenir l'heure actuelle avec une seule touche sur l'écran. En fait, lorsqu'on va simplement poser son doigt sur l'écran, on a une possibilité que vous allez entendre dans la suite de la vidéo sur l'iPhone même. Vous allez entendre qu'on peut cocher une case et à ce moment-là, on aura simplement à poser un doigt sur l'écran de notre iPhone et celui-ci va vibrer par étapes en commençant par l'heure pour les dizaines et pour les minutes. Donc, je vous mets ici en gros sur l'écran les écrans que l'on rencontre sur notre iPhone sans avoir besoin du son ou par exemple si on est dans un endroit très bruyant et on n'a pas notre casque à disposition, on aura ces petites vibrations. Je pense que cette application peut être utile pour un certain public pour bénéficier de l'heure. On va passer tout de suite sur l'iPhone pour que vous puissiez entendre et voir ce qui se passe exactement sur l'iPhone. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve sur notre iPhone. L'application ici Vibrant Watch est présente et on va l'ouvrir. Vibrant Watch. Je vous mets donc en grand sur l'écran pour que vous puissiez déjà vous apercevoir de la taille des caractères. Et des différents boutons. Deux boutons. Menu aide. Bouton. Le menu aide. Menu de configuration. Cette application peut être aussi très utile pour les personnes malvoyantes qui n'ont pas forcément besoin de VoiceOver, mais qui, de par son aspect, le fond noir avec les écritures blanches, peut être très utile pour donner l'heure, simplement la nuit aussi, pour éviter de déranger la personne à côté de soi. Menu de configuration, bouton. On rentre dans le menu de configuration et on va s'apercevoir de différentes choses. Vous pouvez ajouter cette application dans le centre de notification de connaître l'heure sans avoir à ouvrir l'application. Alors ici j'ai testé, mais si quelqu'un télécharge cette application et qui trouve le moyen de le faire, je n'ai pas réussi à mettre cette application dans les zones de notification. Pour travailler correctement, vous devez avoir activé avec la sonnerie en mode silencieux dans réglages son vibreur. Ici, c'est l'indication pour bien travailler avec cette application. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer l'application de sorte qu'avec une seule touche lira les trois chiffres en succession rapide sans avoir à cliquer sur chacun d'eux séparément. Pour ce qui active le commutateur à côté. Voilà, donc c'est pour cela qu'on active le petit bouton activé en bas à droite. Une fois les réglages terminés, fermé. Bouton. On se dirige sur le bouton fermé qui se trouve tout en haut à droite. C'est ici que ça devient intéressant. VoiceOver désactivé.
je désactive mon voice-over pour que vous puissiez entendre correctement. J'ai posé l'iPhone sur une boîte en fer et je vais tout simplement toucher l'écran. Alors, comme vous avez pu entendre, les vibrations sont très fortes. Voilà donc le résultat de VibranWatch, cette application qui permet de faire vibrer l'heure, cette application qui va permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier, comme tout le monde, de l'heure. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes au niveau visuel, au niveau auditif, voire les deux handicaps, surtout n'hésitez pas à parler de cette application qui me paraît quand même très bien au problème de l'handicap. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne pour continuer à me suivre. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !